Salut à tous et bienvenue dans cette émission consacrée au TGS 2017. Au programme de cette édition, nous avons gambadé dans les allées du salon à la rencontre du public et nous n'avons pas manqué de rendre une petite visite à certains youtubeurs. Bonne ambiance et rigolade, TGS 2017 l'émission, c'est parti! Alors, qu'est-ce que tu fais le bois à Toulouse? Je suis venu pour le TGS, voilà, tout bêtement. Et c'est quoi ton cosplay? Vi de League of Legends. Et toi, t'es qui toi? Moi je suis Caitlyn de League of Legends. Et t'es meilleur que l'autre? Oh bah largement. Hein. C'est moi le shérif, c'est moi le patron de toute façon. Alors qu'est-ce que tu fais ici toi? Oh bah je me balade hein. Et ça te plaît le TGS? Franchement ouais, c'est super sympa. Et qu'est-ce que t'es venu voir? Oh ben un peu tout, surtout pour la découverte, parce que comme c'est la première fois que je viens, ben, je suis avec mes amis, on se balade et... Alors aujourd'hui, je suis venu ici pour boire du rhum et faire des choses pas très légales, bien entendu. Après ça, seulement si vous le croyez. Alors t'as l'air croustillant? Non, je suis pas croustillant, je suis moelleux déjà, j'ai un petit cœur fondant. Et sinon t'es qui? Resident Evil, je suis venu William Bergins. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Un peu trop de stéroïdes, beaucoup de sport et quelques antibiotiques. C'est pas pratique. Et il paraît qu'il y a beaucoup de sorcières au TGS. Ouais, je les chasse comme il faut. Et il y a beaucoup de monstres aussi. Ouais, malheureusement, ouais. Je dois faire mon taf, donc... Et alors, le Toulouse Game Show, c'est bien ou pas? Ah oui, super. Et t'es venu chercher quoi? Comment ça, je suis venu chercher quoi? Hein? Qu'est-ce qui te plaît ici? Les gens. J'adore les gens. Alors, t'es qui, toi? Moi, je suis un cow-boy solitaire. Et toi? Moi, je suis une élève de Poudlard. Et toi? Maléfique. Et alors, c'est quoi ton sort préféré? Ridiculous. Alors, tu kiffes la moto? Nah, ouais, j'adore. Ah, avec du bon son d'ancien. Avec des grosses cylindrées. Et où tu vas comme ça? Ah, dans le désert. Dans le désert? Ouais. Là où on peut rouler sans fin. Alors, t'es qui, toi? Diana Blue Moon dans League of Legends. League of Legends? Et tout à l'heure, j'ai vu des filles habillées en bleu, elles ont dit qu'elles étaient de League of Legends et qu'elles étaient meilleures que toi. Ça, c'est compliqué, hein. Va falloir que je me batte avec elles, du coup. Hein. Et j'ai vu plein de gens de League of Legends qui disaient que c'était les meilleurs. Alors, oui, mais nous sommes les meilleurs chez les meilleurs, même. C'est pas ce que j'ai entendu. Ah, si. Il y avait une fille en bleu et en rose là-bas, elles ont dit qu'elles étaient meilleures. Ah! Mais. Ce TGS, comment ça se passe? Très bien, très très bien. Tout le monde est très sympa. On n'a pas de trolls, on n'a pas de boulets. Ouais. Bon, comment ça va ce TGS? Ça se passe bien? Ça va tranquille, il fait froid, on est mis à côté de la porte, donc on va tous mourir à petit feu. Encore une anecdote à raconter dans une de vos émissions? Ouais, effectivement. C'est quoi, une anecdote sur la gastro qu'on va attraper peut-être? Je sais pas. Bah oui, mais c'est pas si mal comme emplacement, on est bien. Bon alors du coup, j'ai une question là. Les lignes du Tetris, à votre avis, quand elles sont terminées, elles deviennent quoi? Ouais, ça se passe bien sinon? Ouais, c'est cool, super, à Toulouse Game Show, franchement, nickel. Les gens qui viennent, le staff, c'est cool. Puis on revoit les potes qu'on a vus à d'autres conventions. Vous, par exemple? Ouais. Bon, dis-moi, ça se passe bien? Oui, alors TGS, toujours du bonheur. J'ai vu Robocop hier. Ouais. Il parle un français assez correct, étonnamment. Et du coup, c'était assez surréaliste de voir... Robocop dire des insultes comme quoi il s'était embrouillé avec un taxi sur Paris et tout. Ouais. Sa petite anecdote et du coup c'était assez surréaliste et très sympathique. Croustillant. Ouais non vraiment vraiment cool. Vraiment cool et on a parlé un peu de Cronenberg, de Paul Verhoeven. Ouais ouais. Donc hyper agréable quoi. Pour quelqu'un de son âge, il a quand même 70 ans. T'es quand même assez cinéphile aussi, on te connaît un peu cinéphile donc hein. Cinéphile ouais, et puis Robocop c'est un des grands favoris. C'est dans mon top 5 ever. Avec Conan et tout, genre Conan et Robocop c'est kiff kiff quoi, c'est dans mon cœur. Donc là, le rencontrer pour de vrai, ça m'a fait beaucoup de petits feels.
Yahoum! Eh bien écoute, dis-moi, c'est la question du jour. Ouais. Alors dis-moi, à ton avis, les lignes du Tetris, quand elles sont terminées, où elles vont? Dans le même endroit où voit Mario quand il meurt. Alors en fait, c'est très simple. En réalité, les lignes du Tetris qui disparaissent deviennent de nouveaux blocs qui passent dans d'autres Tetris. Hein, c'est ça part dans le néant, ça part là où les rêves et le Seigneur Cthulhu a été créé, évidemment, c'est évident, il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Mais ils vont boire l'apéro, tout simplement. Bah, boire l'apéro, ouais, comme ça. Comme ça, voilà, tranquille. Ah, ils vont dans l'espace? Dans l'espace, ouais. Loin? Bah ouais, bien sûr, ouais. Ah, ouais. Elles sont satellisées en fait. Satellisées, je sais pas, elles sont pulvérisées dans l'espace et peut-être que c'est ça les poussières d'étoiles en fait. Du coup, les lignes du Tetris, tu sais où elles vont quand elles sont terminées? Elles dans ton cul. Oh merde. Ah, c'est vrai, j'étais obligé de la... Ah bravo quoi. Ouais, je suis pas très ad-friendly moi. Bah elles explosent. Elles explosent, ouais, voilà. Darknet, Subnet, non, non, non. Dans le Dark Web. Dans le Dark Web. Voilà. Il y a un site qui répertorie les lignes qui ont explosé Tetris. Bah dans Minecraft. Pourquoi faire? Pour faire des blocs. Ah, c'est pas con hein. Du coup, c'est des blocs qui font des blocs. Exactement. Ah, dans une... Je pense que c'est une espèce de dimension parallèle où les trucs de Tetris arrivent, tu vois, genre, tu sais, comme un peu dans Rick et Morty, dans les dimensions bizarres où il y a genre des fions géants et tout. Je pense qu'il y a une dimension où t'as la poubelle de Tetris, quoi. Ou comme dans Thor Ragnarok, là, la planète poubelle. Ma foi, dans une autre dimension. Ouais. Ok. Ça, alors ça, c'est une question... Je ne me suis jamais posé la question, mais c'est vrai qu'elle est bien. Je alors, où est-ce qu'elles vont? Est-ce que toi, tu as une idée de réponse? On a eu plein d'idées, on a même des gens qui nous ont dit qu'elles disparaissaient pour aller dans Minecraft et faire des blocs. Ah, c'est pas bête. Ou alors, elles disparaissent dans le Land Distordu. Et enfin, une dernière proposition, on nous a dit elles disparaissent de ta partie pour aller alimenter les parties des autres, en fait. Ah, moi je pense qu'elles vont dans les fabriques de chocolat. Tout est recyclé, c'est sûr, mais non, elles vont peut-être dans les fabriques de chocolat, hein. Pour faire des... Donc c'est pour ça, jouer beaucoup à Tetris, le prix du chocolat va baisser. Ah, bah chez Minecraft. Ok. Ah oui, attends, on recycle les cubes chez Minecraft, on les repeint. Ah, plein de petits chinois, ils repeignent les cubes et on en... D'accord. Bah c'est excellent, merci à toi en tout cas. Les lignes du Tetris, à votre avis, quand elles sont terminées, elles deviennent quoi? Où elles vont? Elles avancent comme ça, une par une, à la queue leu-leu. Oh, elles tombent dans un puits de lave. C'est là où elles finissent. Un peu une image... Oui, c'est triste, mais bon, c'était triste, hein, c'est... Ouais, c'était triste, ouais. Voilà, il faut que le générique défile. Bon, ok, super. On vous remercie. On vous dit à très vite.